Le restaurant à la 12 existe depuis 1954, donc nous on a repris il y a un peu plus de 3 ans, donc avec Thomas qui est en cuisine et moi en salle. Donc c'est un hôtel-restaurant de 16 chambres. Nous sommes une vingtaine de salariés, donc employés et apprentis. Nous exploitons deux salles de restaurant, donc une partie menu du jour, donc qui est historique en fait, hein, puisque l'établissement a toujours accueilli les ouvriers, les gens qui travaillent dans le secteur, et une partie gastronomique avec une cuisine assez moderne, axée sur le végétal et qui change au fil des saisons. Je suis très sensible à tout ce qui est végétaux, à les légumes, tout ce qui est aromatique. On a un jardin qu'on a refait maintenant il y a 2 ans avec tous nos aromatiques et on est très axé sur le végétal. Nous proposons donc un menu végétal le 3e jeudi de chaque mois pendant la période des légumes. Donc ça, on la démarre en avril, on finit souvent en novembre. Et donc on a mis en place ce menu-là pour montrer aux gens qu'en fait on peut manger différemment et on peut manger très bien en mangeant que du légume. Un peu dans l'ère du flexitarisme en fait. Je trouve que quand on travaille au fil des saisons, les produits locaux, les produits de saison, c'est bien d'être en direct avec le producteur parce que bah, quand vous le voyez le samedi matin au marché, il me dit bah, tiens, j'ai eu les premiers haricots, la semaine prochaine bah, j'aurai les premières betteraves, tu peux compter dessus, j'en aurai un petit peu, tout ça. Notre formule, donc les midis en semaine, on fait une quarantaine de clients par service et à la partie gastronomique, on peut aller donc de 30 en moyenne jusqu'à 60 sur les très gros services. Nos projets pour l'avenir, bah, évidemment, continuer à développer le restaurant. On a des projets de travaux, donc notamment au niveau des extérieurs, la façade, on aimerait bien qu'elle reflète ce qu'on y trouve à l'intérieur et puis éventuellement un projet de travaux pour l'hôtel. Mais bon, ça reste un gros point d'interrogation pour l'instant.